Je suis Morane, je suis animatrice au réseau des AMAP de Provence. Donc, qu'est-ce qu'une AMAP? Une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Moi, c'est Eva, je travaille au Panier Marseillais, qui est du coup un réseau d'AMAP, mais vraiment sur Marseille. Je suis animatrice, vraiment chargée des questions d'accessibilité alimentaire. Personnellement, comment je suis arrivée dans le mouvement des AMAP? Tout simplement en voulant changer mon mode de consommation. J'ai eu des enfants et je n'avais pas envie qu'ils aient n'importe quoi dans leur assiette. Donc je me suis interrogée sur comment je consommais. Et petit à petit, en me renseignant, en voyant les paysans autour de chez moi, « Ah, mais il y a l'AMAP là-bas à Saint-Andiol. » Et du coup, je me suis inscrite à cette AMAP. Au début, c'était un peu « j'arrive où? Qu'est-ce que je fais ?» Oui, en contrat, 6 mois, ok, d'accord, je fais mes petits chèques, donc mes 6 chèques pour les 6 mois et tout ça. Et en m'intéressant petit à petit, on m'a attrapée. « Hop, allez, viens dans le conseil d'administration. » C'était le jour même, personne prévenue, on venait à la livraison. Et donc, arrivé dans le conseil d'administration, ok. Puis après, on m'a dit « Oh, c'est chouette, tu sais bien parler, allez, viens à l'animation. » Et voilà comment moi je suis arrivée dans ce mouvement et tous les jours j'en apprends et c'est tellement riche et de rencontrer des gens qui portent ce message tellement à cœur et du coup on a envie de le porter et de faire que le répéter parce que finalement c'est un modèle qui... On soutenait nos paysans et puis à un moment on les a lâchés, il faut qu'on revienne vers ça tous. Pour ma part, moi j'ai durant mes études eu pas mal de réflexions autour des communs, en fait. Et donc, via un peu les premières expériences professionnelles qui étaient plutôt dans le secteur de l'énergie, ça m'a vraiment fait me questionner sur notre pouvoir d'agir, en fait, sur des choses qui nous impactent dans la vie de tous les jours. Ça s'est ouvert sur la question de l'alimentation. Bon, après, j'aime bien manger. Donc, en fait, l'alimentation, c'était un truc déjà important dans ma vie. Mais questionner peut-être les moyens de production, d'où venait la nourriture qui arrivait dans mon assiette. Toujours avec cette idée que, en tant que citoyen, citoyenne, on avait aussi une part à prendre là-dedans. Très rapidement, une de mes premières expériences professionnelles, ça a été dans une ferme urbaine ici à Marseille, où j'ai fait du maraîchage. Et donc moi, ça a été un peu là, un nouveau monde qui s'ouvrait à moi, où je me suis beaucoup plus aussi intéressée à la vie du sol. Et donc, je suis pas mal venue par le côté, finalement, agricole, en fait, parce que moi, je m'y retrouvais dans produire sa nourriture en respectant le vivant. Et on échangeait avec eux. Et du coup, moi, j'ai fait pas mal de woofing chez des maraîchers, chez des éleveurs, des éleveuses. Et c'est vrai que ça a été un peu une espèce de déclic. Et habitant quand même en ville, la MAP, c'est un peu ce lien aussi qui se fait entre la ville et le monde rural. Et donc, moi, je suis un peu par tâtonnement arrivée sur les AMAP et je suis rentrée vraiment dans le réseau des paniers marseillais par la question de l'accessibilité alimentaire. Quand on est dans une ville comme Marseille où il y a peut-être plus de 30% de la population qui est en situation de précarité, faut peut-être réfléchir à comment on nourrit tout le monde correctement. Donc, je trouve que le travail là, qui est mené au niveau des réseaux d'AMAP, il est hyper intéressant pour ça aussi. En tant que réseau d'AMAP, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne qui sont déjà existantes sur le territoire. On est en soutien dans leur démarche un petit peu administrative. On est aussi là pour animer le réseau sur les questions d'alimentation et d'agriculture paysanne. Donc, il y a tout un rôle de plaidoyer aussi en faveur d'une agriculture paysanne. Et on travaille sur la question de l'accessibilité alimentaire depuis 2018. Et c'est la question aussi de l'accès pour toutes et tous à nos AMAP. Et donc, on participe à pas mal de groupes de travaux autour de ces questions d'accessibilité alimentaire, notamment avec le mouvement interrégional des AMAP, où on est plusieurs réseaux en France à travailler sur cette question-là, de repenser aussi l'alimentation,
au prisme plutôt du système agroalimentaire. Et nous, on est à ces deux, enfin, on est de ces deux côtés-là, quoi. On travaille à la fois avec les producteurs et à la fois avec et pour les mangeurs. Je voulais peut-être ajouter que le commun déjà dans une AMAP, c'est le fait de réunir le monde agricole et des citoyens autour d'une AMAP. Et déjà, il y avait cet esprit de commun et de décider ensemble de comment on veut s'alimenter. Et le fait de participer à une journée comme celle-ci est tout à fait... Enfin, finalement, c'est la suite de l'aventure des AMAP. Et on souhaite poursuivre vraiment ces chantiers-là, que ce soit au niveau interrégional ou dans notre propre région. Un travail plus commun, parce que souvent, chacun fait un petit peu de son côté. Et le but de faire ensemble et de participer à ce type d'événement, ça permet de voir ce que les uns et les autres font et peut-être s'améliorer, nous, dans nos pistes de réflexion. Et aujourd'hui, je suis sûre qu'on va repartir avec plein de nouvelles idées et peut-être une autre approche et une autre vision pour poursuivre notre action dans les AMAP, mais aussi sur l'action des paniers solidaires. Nous, au réseau des AMAP de Provence, elle s'étend donc sur toute la région PACA. Les AMAP sont un petit peu partout, dans certains territoires plus nombreuses que d'autres. On pense au département 06, les Bouches-du-Rhône ou le Vaucluse qui sont assez présents, le Var, le département 05 et 04 qui sont peut-être un peu moins représentés et où il y a plus une dominance du monde agricole, de nos paysans qui sont très présents sur ces territoires-là, mais moins d'AMAP. Sur la question de l'aide alimentaire, et nous du coup c'est pas vraiment le terme qu'on utilise parce que l'aide alimentaire c'est quelque chose qui existe, qui est institutionnalisé. Nous, on parle d'accessibilité alimentaire. Du coup, il y a la dimension, en fait, quand on parle d'accessibilité, il y a plusieurs dimensions qui sont prises en compte. Il y a une accessibilité géographique, économique, culturelle. En fait, l'idée, c'est quand même que les personnes, elles aient le choix de leur alimentation. On essaye de lever un maximum de freins en recréant ce lien entre milieux plutôt ruraux, entre paysans, paysannes et... là, nous, dans le cas des paniers marseillais, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la ville, donc avec des productions qui forcément arrivent quand même de l'extérieur de la ville, on recrée un lien et on recrée des formes de solidarité entre des paysans qui produisent et des mangeurs-mangeuses qui vivent en ville. Et à l'inverse, des mangeurs-mangeuses qui préachètent, parce que c'est aussi ça le principe de la MAP, c'est que les personnes préachètent la production, ce qui assure aux paysans ou à la paysanne de pouvoir vivre dignement de son métier et de pouvoir garder ses terres agricoles. Il y a un double enjeu de solidarité. Comment on fait pour que ce ne soit pas limité à une petite partie de la population, mais que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces produits-là, qui sont souvent issus de l'agroécologie, bio, enfin voilà, il y a aussi ces dimensions-là d'une agriculture qui respecte le vivant, en fait. Les AMAP ont été créées il y a plus de 20 ans. Donc la première AMAP en France en 2001. Et c'était vraiment des citoyens militants qui voulaient justement reprendre en main ce qu'ils consommaient, ce qu'ils avaient dans leur assiette. Et du coup, le seul moyen de faire cette action, c'était de se rapprocher du monde paysan, qui est essentiel parce que sans eux, on n'a pas de souveraineté alimentaire. On délègue tout ce qui est notre alimentation à un système plus vaste d'agroalimentaire où on ne sait pas où ça passe, on ne sait pas comment c'est transformé, on ne sait pas les ajouts. On veut que chaque consommateur puisse savoir ce qu'il consomme, quel paysan, qui travaille pour lui finalement, hein, parce que c'est aussi un terme, c'est de la redistribution de travail, tout en tenant compte des problématiques que rencontrent nos paysans, climatiques, énergétiques, économiques. Et dans les années 2000, c'était des militants qui voulaient faire en sorte que les paysans puissent rester sur leur ferme en créant le système des AMAP et le fait qu'il y ait un prépaiement. Donc on s'engage vis-à-vis d'un paysan à ce qu'il sache pendant 6 mois, 1 an, toutes les semaines, combien
part de récolte, où on parle aussi de part de jardin, c'est que les paysans puissent rester sur leur ferme, que ça soit des petites structures, parce que les grosses structures, finalement, elles sont dépendantes des fonds publics, elles vont avoir besoin d'aide, de financement, de subventionnement, etc. Alors que finalement, et elles vont avoir besoin du coup d'avoir des structures, des machines qui sont énergivores, que ça soit en termes de consommation d'énergie, en termes de personnel aussi. Donc le fait de se réapproprier notre alimentation au travers de petites structures, de petites fermes qui sont en mesure de pouvoir nourrir, allez, on va dire peut-être 200 habitants sur un secteur, 200 autres sur un autre secteur, mais que ça dépende de petites fermes un peu partout en région PACA puis en France. Nous, ce qu'on veut, c'est finalement que nos paysannes et nos paysans puissent vivre et soient dignes de leur travail. Ça, c'est vraiment très important parce que des paysans, on va en avoir besoin et de plus en plus besoin, surtout avec les crises qu'on a traversées il y a très, très peu de temps, qu'on s'est rendu compte que finalement, notre alimentation, on l'avait déléguée à d'autres acteurs qui étaient peut-être en dehors de France, etc. Il faut qu'on se réapproprie notre alimentation, qu'elle redevienne souveraine et que aussi, on remette le paysan au cœur de... et les paysannes au cœur de notre système et qu'ils soient fiers de leur travail, parce que finalement on se retrouve avec des agriculteurs qui sont plus fiers de produire, des éleveurs qui ont des conditions de travail qui sont absolument immondes, désolé, le mot est très très fort, et on ne veut pas, absolument pas les stigmatiser, mais à un moment donné il a fallu nourrir la population, parce que la population ça a grandi de façon exponentielle assez rapidement, il a fallu trouver des moyens de la nourrir avec, en grande quantité. Mais peut-être qu'à ce moment-là, on aurait dû se poser des questions et se dire « oui, mais à quel prix ?» Il s'avère que c'est vrai que sur le système agroalimentaire, il y a pas mal de choses qui sont très verrouillées aujourd'hui. Et plus on travaille sur le sujet, plus on se rend compte peut-être de certains verrous. Et donc, on essaye avec nos moyens de les dépasser et de convaincre aussi des personnes que bah, changer rien que de ces modes d'approvisionnement, ça a quand même un petit effet sur on va dire l'agriculture, en tout cas locale, et ça a un impact peut-être à plus long terme et plus gros que ça. On travaille aussi, en fait, plutôt sur du plaidoyer avec beaucoup d'autres collectifs, notamment le collectif Nourrir, qui a sorti il n'y a pas longtemps un appel. Donc il y a aussi ces questions-là qui sont travaillées avec d'autres collectifs, qui font intervenir d'autres acteurs, qui sont peut-être dans des actions beaucoup plus militantes de terrain. On bosse avec Terre de Liens, on bosse avec les CIVAM. Et donc ça, je pense que c'est aussi la force de nos mouvements, c'est d'arriver à se mettre en réseau et d'arriver à essayer ensemble de pousser des sujets. Et c'est là que en fait, les collectifs, travailler sur des plaidoyers, des manifestes, c'est important. C'est qu'il y a plein de termes qui sont réutilisés et qui du coup ont tendance à invisibiliser certaines actions. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de local. Je pense qu'il y a plein de gens pour qui c'est hyper logique de manger des produits locaux. Local, ça ne veut pas forcément dire que c'est produit dans de super conditions et ça ne veut pas forcément dire que la personne qui produit ça, elle en vit correctement. Enfin, et c'est aussi comment on donne envie aux gens de s'intéresser à ces sujets-là, de se questionner sur leur alimentation, de se questionner sur... sur tout le système, c'est-à-dire la distribution, la transformation. Et donc, moi, je pense qu'aussi avec les AMAP, on essaye de faire ce travail-là et d'être présent aussi, d'en parler, et d'essayer d'avoir une parole un petit peu plus politique. Ça permet de repenser aussi le système et de le voir évoluer vers autre chose. Alors, à propos des restes alimentaires, en AMAP, finalement, on en a peu, parce qu'on a notre panier, on l'utilise entièrement. Donc, oui, cette question-là se pose assez peu dans notre système. On a essayé de voir sur notre action des paniers solidaires si justement la totalité du panier était utilisée. Et en accord avec les familles qui bénéficient de ces paniers-là, on a fait en sorte d'organiser avec elles des ateliers sur comment les conserver son panier, maintenant il y a la lactofermentation qui revient un petit peu, donc mettre en place des bocaux, des conserves, etc. Mais les restes alimentaires, il y a peu de gâchis parce qu'on a un panier qui est tellement beau et tellement, on a tellement envie de le valoriser parce qu'on sait d'où il vient. Donc il y en a assez peu qui... Thank you.
j'ai pu parler d'accessibilité alimentaire. Nous, ça s'inscrit dans le cadre d'une action qu'on mène depuis 2018 au sein des paniers marseillais, qui ensuite a commencé à s'essaimer sur les Bouches-du-Rhône depuis 2020, qui est celle de paniers doublement solidaires. En fait, c'est des paniers à tarif cofinancé. Donc l'idée, c'est que pour ouvrir la MAP, on essaye de faire en sorte de déjà lever le frein économique. Et après, on travaille sur les autres freins, mais on commence par le frein économique. Et donc, on arrive par du cofinancement public-privé, soit de la subvention publique, soit aussi des dons de nos Amapiens et Amapiennes, à cofinancer des paniers et permettre l'accès à ces paniers pour des familles qui sont en situation de précarité alimentaire. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve à être plusieurs acteurs à proposer un petit peu des actions comme ça, qui ne sont pas toujours des paniers solidaires, qui peuvent être des groupements d'achat, qui peuvent être des épiceries solidaires. Et c'est vrai qu'il y a un besoin de se coordonner, de réfléchir ensemble à des stratégies en fait, alimentaires territoriales qui soient, qui aillent dans la logique que toutes et tous, on puisse avoir accès à une alimentation qui soit à la fois bonne pour la santé, mais qui soit moins impactante sur l'environnement et sur les personnes qui la produisent. Alors, sur les paniers doublement solidaires, il y a eu un choix au niveau de notre réseau qui a été fait, qui est celui d'arriver à trouver l'écofinancement pour pouvoir permettre un accès à un prix réduit, en fait un tarif cofinancé pour les personnes en situation de précarité, mais pour que le maraîcher, lui, il touche la valeur de son panier. Et donc aujourd'hui, on arrive via ces systèmes-là de subventions et de dons à assurer que le maraîcher touche le prix de sa production et que la personne qui est en situation de précarité puisse avoir accès au panier à tarif réduit. Et on va voir, en fait, notre grand questionnement, c'est comment on arrive à pérenniser ça dans le temps, quel modèle économique on développe pour que le plus de personnes puissent avoir accès à des paniers et en même temps que les maraîchers soient correctement payés et qu'ils vivent dignement de leur travail. Et ça, c'est des questionnements qui ne sont pas faciles à résoudre et qui nécessitent une mobilisation assez grande, en fait, de tout le monde et une volonté de vraiment créer de l'entraide et des solidarités en interne de nos AMAP et peut-être même inter-réseau. Est-ce que la paysannerie dans notre région est en crise ? Oui, que ce soit économique, énergétique ou climatique. Il y a énormément de changements, donc du coup, les premiers touchés, c'est nos paysans, par le manque de ressources en eau. Sur certains territoires, je pense au Haut-Var par exemple, ils sont déjà actuellement en restriction ou au nord du Vaucluse. Donc comment faire en sorte que nos cultures, qu'on a besoin, parce qu'il faut qu'on s'alimente, comment nos cultures vont recevoir l'eau nécessaire, ou est-ce qu'il ne faut pas changer du coup nos cultures, peut-être modifier certains légumes qui ont besoin trop d'eau, etc. Donc en fait, il y a plein de thèmes différents qui sont actuellement traités par la Confédération paysanne et par diverses associations, dont les AMAP aussi, sur comment on peut faire pour aider nos paysans au mieux. Et le but, c'est qu'ils puissent vivre de leur activité, voilà, tout simplement, et qu'on puisse maintenir les fermes, et surtout les fermes paysannes, parce que plus tard, c'est elles qui, on va avoir vraiment besoin d'elles. Les projets alimentaires territoriaux ont été mis en place après la loi Egalim sur le fait que chaque cantine scolaire doit avoir une portion de bio. Donc en fait, dans chaque territoire, des PAT se sont mis un peu en place. Et le but, c'est de réunir tous les acteurs d'un même territoire qui travaillent sur l'alimentation et de voir comment on peut travailler tous ensemble pour justement faire en sorte d'améliorer l'alimentation des uns et des autres et son accès également. Donc voilà à quoi les projets alimentaires territoriaux servent selon mes notions. Et on participe ça fait à peu près 2-3 ans que c'est vraiment plus en,
en place sur toute la région et on essaie d'y participer au maximum. Et suivant, certains PAT sont plus ou moins avancés sur certaines questions et dans certains, on va passer sur le côté un peu plus pratique et mise en œuvre des actions. C'est un sujet, je pense, qu'on commence un peu à déblayer parce que c'est aussi un sujet, la sécurité sociale de l'alimentation, en fait, qui est abordé au sein de nos mouvements, enfin, au sein du mouvement interrégional des AMAP, que ça rejoint pas mal de nos questionnements sur à la fois faire le lien entre production et consommation, réfléchir à des modèles économiques qui permettent à toutes et tous, en fait, d'avoir accès à une alimentation de qualité. Et c'est repenser aussi l'alimentation comme un bien commun, je pense, et se dire qu'on essaye de penser un système qui permette à toutes et tous d'avoir une même accessibilité alimentaire, en fait. Et pas qu'il y ait des différences en fonction d'un pouvoir économique ou d'une accessibilité géographique. Et donc, comment est-ce qu'on ouvre ça? Et donc, la SSA, pour nous, elle est intéressante là-dessus. C'est comment on fait vraiment de la démocratie alimentaire à une échelle territoriale. Et donc, on sort peut-être de la map de quartier ou de la map de village et on ouvre encore plus le questionnement sur, et même au-delà peut-être des productions maraîchères, on ouvre à tout type de consommation alimentaire. Chaque AMAP a son fonctionnement. Ça reste des associations qui sont quand même assez indépendantes, même si toute AMAP doit signer la charte qui a été écrite collectivement. Après, dans la mise en œuvre, c'est à la discrétion de chacun chacune de mettre ça en œuvre. Et en fait, je pense qu'il y a autant de différences entre les AMAP du territoire qu'on retrouve de différences avec des AMAP d'autres territoires. Et c'est que, en fonction du quartier dans lequel on est, en fonction du village dans lequel on est, en fonction de la réalité de l'agriculture locale, ce ne sera pas les mêmes enjeux. Si on peut faire une grosse différence entre ici et le Nord, c'est qu'ici, pendant 12 mois, il y a de la production et du maraîchage diversifié. C'est plus compliqué dans certaines zones, peut-être où les températures sont moins clémentes. Certains territoires ont encore accès à tout ce qui est eau et ne sont pas trop en difficulté. Je pense au bassin des Bouches-du-Rhône, un peu, on va dire, à l'ouest de Marseille. Pour l'instant, il y a les canaux de la Durance, ça suit bien. Nos maraîchers ne souffrent pas trop. Mais suivant la région, comme je disais tout à l'heure, le Haut-Var ou des régions aussi qui sont un peu plus montagneuses, l'effet du réchauffement climatique, les maraîchers, en été, ils n'ont plus accès à l'eau. Donc, comment irriguer leurs champs? Donc, souvent, les maraîchers des Hautes-Alpes, etc., sur une AMAP, un maraîcher a dû arrêter sa production parce qu'en été, il n'a plus la possibilité d'irriguer et donc n'a plus la possibilité de fournir la MAP. Donc, on s'est reposé la question sur la solidarité. Comment accompagner ces paysans-là? Comment les aider au mieux? Comment avoir un plaidoyer politique? Comment réagir vis-à-vis de eux et comment les aider? Et après, bien sûr, ces enjeux de changement climatique, ça, ils toucheront tout le territoire, toute l'agriculture. Et le risque, c'est de se faire un petit peu entraîner par les sirènes de la réponse technologique. Et en fait, quand on pousse des modèles paysans, c'est en fait aussi pour éviter de tomber là-dedans et de ne pas rajouter en fait des problèmes à un enjeu agricole qui est déjà important. Voilà, on parle plus d'adaptation, on essaye d'avoir des modèles plus petits, donc plus résilients. Et ça, aujourd'hui, c'est pas forcément le discours ambiant où on pense qu'on réglera la question du changement climatique au niveau de l'agriculture par des réponses ultra technologiques. Donc nous, c'est pas forcément le modèle qu'on porte. Et ce qui est intéressant dans nos réseaux, c'est d'avoir, justement, on est en réseau. Et de ce fait, on met en réseau de nos paysans. Par exemple, en janvier dernier, des paysans des AMAP d'Île-de-France sont descendus en région PACA pour s'inspirer justement des pratiques agricoles qui ici ont été mises en place, notamment vis-à-vis de la chaleur. Dans le nord de la France, on a des problématiques de sécheresse que nous rencontrons ici déjà depuis plus longtemps.
Là, il y a eu des questionnements sur des serres avec des panneaux photovoltaïques, le fait de mettre en place des systèmes de haies que pas forcément été mis en place dans le Nord. Donc les AMAP permettent ça aussi, d'avoir cet échange entre les paysans et de pouvoir mutualiser les connaissances des uns et des autres. Et on fait des chantiers tous ensemble. Et c'est ça l'importance des réseaux aussi, c'est que finalement on a des ressources communes qu'on essaye d'alimenter constamment. Et ces ressources sont disponibles à tout un chacun. N'importe qui peut y avoir accès et le capitaliser et faire mieux. Toujours mieux, c'est le but. Alors, il y aurait 250 000 Amapiennes et Amapiens en France. Est-ce qu'on atteint une masse critique, donc 4% de la population ? Non, non. On peut faire plus, on pourrait toujours faire plus. On a des paysans qui sont en demande. Et on a des nouveaux paysans qui s'installent. On a la transmission agricole aussi qui est très importante actuellement. On a une grande partie de nos agriculteurs qui vont bientôt prendre leur retraite. Et les fermes, que vont-elles devenir? Il faut qu'il y ait des repreneurs. Les Amapiens doivent encore être plus nombreux et on a la capacité. Quand nos politiques disent « oui, mais le bio ne peut pas nourrir la France », si, 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 on est en capacité de le faire. Il faut juste nous donner les moyens et peut-être un peu le temps. Et il faut que chacun se réfléchissent, finalement, prennent conscience de qui il est dans son environnement et comment il peut agir à sa façon. Et maintenant, on va manger.